Et yo tout le monde, c'est Freezer. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un des nouveaux défis sur Fortnite qui va être cette fois-ci de signaler les copains du corail. Et donc vous allez devoir au total en signaler 3 pour pouvoir réussir ce défi. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir bien évidemment vous rendre dans la ville de Coral Castle. Alors on va commencer tout d'abord par un premier emplacement. Et donc là pour ce premier emplacement, vous allez devoir vous rendre plus ou moins juste ici sur la map. Donc derrière Coral Castle. Donc comme vous pouvez le voir, juste ici vous avez le deuxième grand bâtiment qui est pas loin du bâtiment central. Et donc vous allez voir que juste ici vous avez un petit coquillage que vous allez pouvoir récupérer à cet endroit. Donc vous allez tout simplement devoir le signaler pour pouvoir le valider. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le coquillage s'ouvre et ça vous permet d'en valider un premier. Alors ensuite, pour les deux autres, vous allez devoir vous rendre au sud de Coral Castle. Donc vous allez voir qu'il y en a deux qui sont par ici, que vous allez pouvoir récupérer. Donc c'est les deux derniers. Alors le deuxième corail va être situé juste ici, donc derrière la cascade de Coral Castle. Donc si vous regardez bien, je suis situé par ici au niveau de la map. Donc, de toute façon, vous vous aidez de la cascade, ça va être assez simple. Et donc pareil, vous allez tout simplement le signaler. Et pour finir, le tout dernier coquillage, vous allez pouvoir le retrouver par là-bas. Alors on va arriver du coup au dernier emplacement du coquillage. Donc comme vous pouvez le voir, il est juste ici. Donc en fait, si vous vous aidez des deux cascades, vous avez la première cascade là-bas où vous avez un premier coquillage, et juste ici au niveau de cette cascade là vous avez également aussi un petit coquillage que vous allez pouvoir récupérer. Voilà du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous aura aidé sur les différents emplacements des corails que vous devez donc signaler. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas bien sûr de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a aidé, et puis bah nous sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.